Allez, c'est décidé, ça m'a pété, je m'occupe de cette pièce. Mais pour ça, il faut que je m'habille. Je vais faire deux tas. Je vais faire un tas, ça dégage chez mon oncle, puisque demain, il faut que j'y aille pour chercher des trucs à Soso que je sais pas où j'ai mis. Donc, tout ce que je n'ai plus besoin, je vais le ramener chez lui, genre la déco du mariage, la déco de Halloween, tout ça. Je ne peux pas la stocker ici, donc je l'amène chez mon oncle. Et tout ce qui est vinted, je vais la laisser dans l'entrée, j'ai un placard. Et je voulais pas le mettre là, mais j'ai pas le choix, parce que sinon, je sais pas où le foutre. J'ai cassé mon meuble. Ça, je sais pas si je le garde pour Soso, parce qu'il est plus couché. Ça m'a coûté une couille, je m'en suis pas servi. Donc ce que j'ai pas pris en photo, je vais mettre là. Celle-là, je me tâte à la vendre. Attendez, vous me voyez même pas. Celle-là, je me tâte à la vendre, parce qu'elle a mon fils. Personne ne me l'a acheté en plus. Mais je me dis que je pourrais lui piquer. Plutôt sympa, hein. Je vais la garder. Je vais en retirer deux ou trois. Je vais garder celle-là. Il les mettra, hein. C'est bon. Hein. Et il y en a une à moi, j'ai mis. Je sais pas si je la vends. C'est elle. Je me tâte à la vendre. Elle me va trop grande. Non, je la vends pas. Elle me plaît. J'avais mis ça aussi. Est-ce que je la vends? Non, pareil, je vais la garder. Je suis bipolaire. Chaussures du mariage, mais je les remettrai pas avant l'été prochain. Je vais le mettre là-bas. Ça, c'est un pantalon que je mettais avant quand j'étais grosse. Je le garde en souvenir pour pas oublier d'où je viens. Même si j'oublie pas, hein. Je passe en mode mère Indienne, je jette tout. Tout ça, c'est des boîtes. Donc, soit ça va rester là, soit ça va aller chez mon oncle. Ma témoin m'a envoyé un truc là, ça peut être sympa. Pour encadrer, je pourrais garder un ça là, qui n'a pas servi. Avec mon peigne. Un monsieur, madame. Donc là, je suis bloquée. Pour avancer, il faut que je sorte le bureau de mon grand. Sauf que il faut que j'enlève le lien, non.
Bon, je sais pas où ça a coupé, mais au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Attends, ouais. Tu veux la dinette? On va la garder pour toi, celle-là. On fait une pause câlin? Mia. Et voilà. Yes. Le lit est posé. Là, il faut que je range le bureau. Que je ferme la fenêtre, il va rester là, tant pis. Là, il y a sa cuisine et tout. Ça fait un peu bordel, mais bon, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Et du coup, faut juste que je fasse le lit, mais là, bébé est réveillé. Donc on va goûter.